Le district de Ngo, dans le département des Plateaux, a vu naître une nouvelle organisation non gouvernementale dénommée Dynamique des Jeunes de Ngo, notre chantier. Avec une instance dirigeante de 13 membres pilotée par Michel Ngakili, cette dynamique est engagée à contribuer au développement de la localité avec le soutien du député Salisson Okombi qui épouse l'initiative. Le président d'honneur de la dynamique s'est exprimé ici en langue locale en faveur du financement des micro-projets et de la formation des jeunes. On accorde le ministère de la jeunesse, le ministère de l'emploi, pour lancer un centre de formation des jeunes. L'idée est de dire que formation plus financement égale emploi. C'est aussi si vous formez Bango, vous financez Bango, et vous allez tout créer Bango pour ça. À cette occasion, les jeunes de Ngo ont été appelés à s'inscrire massivement sur les listes électorales et adhérer à cette dynamique. Nous avons participé à l'Assemblée générale de la dynamique Ngo Mon Chantier, qui est une initiative des cadres de Ngo, des jeunes de Ngo, des mamans de Ngo, des papas de Ngo, qui ont pris la décision de donner la priorité à la construction de notre district. Et j'ai eu l'honneur d'être invité par cette dynamique à participer à cette Assemblée générale, d'autant plus que je partage la vision que ces cadres ont voulu mettre sur la table, parce qu'il s'agit pour nous aujourd'hui, en tant que cadre, en tant que politique, de mettre la main dans la pâte, de façon que nous puissions continuer à construire et à développer notre district. Cette activité de la dynamique des jeunes de Ngo, notre chantier, agrémentée par cette ambiance conviviale, a été également un moment de conscientiser cette jeunesse sur le vivre ensemble et sur les autres valeurs républicaines.